Bonjour YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve donc pour ce nouveau challenge, le Rainbow Challenge sur Pokémon Blanc 2. Quel est le concept de ce Rainbow Challenge? C'est simple, c'est un Nuzlocke, comme pour le précédent challenge. Cependant, la règle supplémentaire ne sera pas la même chose que le Verkambi, ça sera la règle du Rainbow de l'Arc-en-Ciel. Alors, qu'en est-il de cette règle-là? Très simple. Alors pour le chat, vous pouvez normalement faire point d'exclamation Rainbow et vous avez les règles. Voilà, données par le chat, directement par le bot. Sinon, pour YouTube, je vais vous les donner. Tout d'abord, vous allez pouvoir capturer donc le premier Pokémon sauvage qu'on croise dans chaque zone entière. Ça, c'est la règle du Nuzlocke. Un Pokémon qui se retrouve KO est considéré comme mort, règle du Nuzlocke. On peut avoir donc qu'un seul Pokémon majoritairement d'une des couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est le Rainbow Challenge. Donc, on aura rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Malheureusement, voilà, il y a cette couleur. Donc, comme bleu clair et bleu foncé, un peu compliqué. Alors, on a fait ce choix-là. Pour celles et ceux qui voudraient faire un Rainbow Challenge, je vous conseille aussi potentiellement de faire rouge, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et violet. Voilà, c'était deux choix. On a un peu réfléchi lors des tests. Les deux se valent, les deux se valent. Donc, les Pokémon, c'est du majoritairement. Attention, petite règle qu'on doit préciser. Si le premier Pokémon de zone est blanc, par exemple, eh bien, la zone est considérée comme morte. Hein, voilà, c'est règle simple et efficace. On a aussi le fait que si on a un Pokémon majoritairement rouge qui se transforme en majoritairement, noir, avec comme seconde couleur majoritaire le rouge, on pourra le garder. Exemple, Grucuit. Par contre, si on est rouge et qu'on devient majoritairement jaune, donc on change de couleur majoritaire et qu'on soit dans l'arc-en-ciel, là on pourra pas le garder. Pareil, si on commence par un rouge et qu'il devient comme jaune, il est considéré d'abord comme rouge, puis jaune. Exemple principal de Magikarp qui commence par rouge, donc il prendra un slot rouge, qui évolue en Léviator, qui prendra un slot bleu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on est parti pour l'aventure. Bonjour maman, qui était derrière, veut me parler, c'est super. Voilà, elle m'explique les règles, c'est super. Non, je connais tout, maman. Je suis un expert Pokémon. Bon, en tout cas, on se retrouve avec notre starter, les amis. À de suite. Allez, bah, le ranch, ça paraît, c'est mort. Bon, choisissons donc notre starter. Le starter qui va être choisi comme étant Grucuit. On vient de rater, entre guillemets, notre première session de la journée. À cause d'un coup critique de l'adversaire. Merci. Donc, on va reprendre Grucuit. S'il te plaît. S'il te plaît. Chacripant le retour. Ah, cette fois-ci, c'est une femelle. Écoutez, on va l'appeler... Casse-tête. Putain, rattentif de mots. Bon, bah, zone de KO, hein, à la route 20. Allez, let's go. Mais non! Bon bah là au moins... Allez, on affronte Chiren. J'y crois moyennement. Avec Salamandre Grucuit, alias Libra. Charge. Ok. Deuxième charge. Voilà. Et il apprend Nitro Charge. Merci. Ok. Let's go! Let's go! Allez, on a le premier badge. Ah, on est bien. Bon, en tout cas, voilà YouTube. Et bon, on va s'arrêter là hein, pour cette rediff. Ça aurait été assez court, je suis d'accord. Mais regardez, on a quand même deux Pokémon. Deux Pokémon. On a fait la première arène, c'est incroyable. Et en plus de ça, à côté de ça, et ben, nous, on va train nos Pokémon pour être en forme, potentiellement les faire évoluer pour et bien la route et la prochaine arène. En tout cas, voilà, on se dit... Allez, prochaine YouTube. Bye bye!